Yo les amis, c'est Balkid187. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu spéciale. Ça concerne un concours. Le concours aura lieu à partir du mois de décembre, hein, donc vous avez le temps. Mais je vous laisse vous en parler un petit peu avant, parce que j'ai déjà reçu un article qui va être justement à gagner pour le mois de décembre. Je vous en parle un petit peu plus juste après le générique. C'est parti, let's go! Donc me revoilà, en fait j'ai eu l'idée tout simplement de faire un concours pour le mois de décembre, tout simplement pour la période des fêtes, donc Noël. Ce concours-là, il n'y aura pas de règles particulières à faire, il aura tout simplement comme d'habitude, mais je participe dans les commentaires, puis voilà quoi, tout simplement. Alors dans les cadeaux à gagner, il y aura tout simplement ceci, je vais vous mettre les photos, et après je vais vous montrer l'article que j'ai reçu aujourd'hui. Donc voilà le petit truc que j'ai reçu aujourd'hui, toujours pour le concours, donc pour le mois de décembre. Un petit pull, voilà, c'est plus un suite qu'un pull de Fortnite. Hein. Voilà. J'espère qu'il vous plaît. Et voilà les gars, donc des petites choses assez sympathiques, je trouve, quand même. Le petit pull qui est franchement pas trop mal. Bon, la qualité, bon, c'est qualité Wish, hein, donc voilà, parce que je l'ai commandé sur Wish. D'ailleurs, je l'ai reçu super rapidement, 12 jours après. Franchement, j'étais surpris de la rapidité. Et franchement, la qualité, ça va. Je m'attendais à quelque chose de vachement pire. Donc, je regrette même un petit peu de ne pas avoir pris un peu plus. J'aurais dû en prendre 2-3. Mais je voulais déjà d'abord en prendre un pour être sûr de la qualité. Et franchement, la qualité, ça va. C'est pas ouf non plus, mais ça va. Par contre, un petit conseil pour ceux qui vont gagner. Vu que c'est de l'imprimé. Mettez-le en l'envers, le pull, mettez-le bien en l'envers et lavez-le à froid pour pas qu'il rétrécisse et pour pas que l'imprimé bouge. C'est un conseil que je vous donne parce que je connais trop bien ce genre de t-shirt, enfin ce genre de pull. Si vous le lavez à chaud, ne plus qu'à 60 degrés et tout, et que vous le mettez pas en l'envers, vous allez niquer donc, déjà le pull, il risque de rétrécir et vous allez niquer le dessin et tout. Donc mettez-le en l'envers, lavez-le à froid, vous y arrivez, genre 30 degrés et puis voilà. Et comme vous voyez aussi, bah, il y aura les petits bonnets, hein, donc, et surtout un putain de clavier gamer avec le tapis de souris, la souris et le petit casque bouchon. Franchement, donc voilà. J'ai eu l'idée de faire ça parce que j'ai vu un petit peu les setups. Bah, comme vous savez, j'ai sorti une vidéo setup où je présente vos setups et tout. Et j'ai remarqué qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui n'avaient pas envie de participer à cette vidéo setup là parce qu'ils n'avaient pas de matériel, ou du moins très très peu de matériel. Et le peu qui ont participé, bah, j'ai vu que aussi bah, vous aviez pas forcément du matériel non plus, je vais dire, comment dire, un petit peu gamer et tout. Donc je me suis dit, allez, je vais essayer de trouver ne fût-ce qu'un petit clavier gamer assez sympa, avec la petite souris qui va avec et tout. Et là, j'ai trouvé ça sur Amazon, donc le clavier gamer ainsi que la souris, j'ai trouvé ça sur Amazon. La qualité, ça peut aller, franchement, la marque, je la connais un petit peu. En général, ça va, si vous faites pas les oufs avec le clavier et la souris, il y a moyen que ça tienne quand même pas mal de temps. Donc voilà, si ça peut faire plaisir et aider aussi quelques abonnés que j'ai à améliorer un petit peu leur setup, eh ben, je me suis dit pourquoi pas tenter le coup. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu comme d'habitude sur cette vidéo là et participer un maximum donc au mois de décembre. Je vous reparlerai exactement la date quand je vais faire le quand je ferai le concours. Je pense que je ferai le concours quand j'aurai vraiment reçu tous les articles pour être sûr de les avoir tous au même moment. Ça, je pourrais envoyer tout à peu près au même moment. Donc voilà. Et normalement, les envois se feront normalement vers le mois de janvier. Hein, donc, ce qui faut me laisser le temps avec les fêtes et tout. Les postes vont être un petit peu encombrés et tout ça. Donc, je ferai certainement les envois pour fin janvier. Donc, vous avez le temps, mais n'hésitez pas à participer un maximum. Et bien sûr, lâchez votre gros pouce bleu. Lâche un pouce bleu, lâche un pouce bleu, lâche un pouce bleu. Un pouce bleu.